Bonjour, nous sommes le samedi 10 juin. En ce samedi 10 juin, eh bien, de ce mois du Sacré-Cœur, en écoutant Lorraine Daigle, Dieu sait, je vous souhaite vraiment un très beau samedi avec la Vierge Marie. Un samedi aussi qui sera marqué par ces mariages, ces célébrations. Nous avons aussi à fêter deux mariages dans notre beau secteur du Thor. Voilà, je voudrais aussi m'adresser à ceux qui s'occupent du patrimoine et de la culture, puisque de part et d'autre, à Châteauneuf-de-Gadagne, nous aurons la fête des terroirs et des saveurs. Et puis, au Thor, nous aurons un rallye, je dirais, patrimoine, pour nous enraciner dans la terre de nos pères. Nous aimons cette terre, nous prions, et Dieu sait si nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons vécu hier l'horreur absolue d'une attaque au couteau d'enfants, de bébés, on peut dire, de personnes si innocentes. Dans quel monde nous vivons? Eh bien, nous avons besoin de nous redresser, de revenir vers la foi, une foi simple, une foi, je dirais, forte aussi, de bénir le Dieu, notre Dieu, le vivant à jamais. Revenez pécheurs et vivez devant lui dans la justice, qu'il sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce. Bénissez le Seigneur, lui, en tout temps. Nous en avons tellement besoin. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Que la Vierge Marie nous aide à garder l'espérance au milieu de ce monde tellement rempli de violence et de souffrance. Je voudrais que nous puissions dire avec Lorraine Daigle, je crois, je sais. La seule chose qui compte maintenant, c'est tout ce que tu penses de moi, Seigneur. Et j'ai envie de partager ce que tu penses de moi, c'est-à-dire ton amour de Père, pour nous, ton amour aussi de frère avec Jésus-Christ. En toi, je trouve ma valeur et en toi, je trouve mon identité. Soyons des héros et des témoins de la foi chrétienne, car deux civilisations sont en train de s'affronter. Une civilisation de la haine et de la mort, qui est largement diffusée dans l'Occident et qui est aussi véhiculée par les idéologies totalitaires que sont l'islamisme religieux. Et puis, nous avons, nous, à témoigner de cette civilisation de l'amour qui inclut tous les hommes et les femmes de bonne volonté, indépendamment des cultures et même des religions. Car le Seigneur, eh bien, il est le Père de tous et il accepte tout le monde. Je crois ce que tu dis de moi, Seigneur. Je crois. Prenons tout ce que j'ai et maintenant je le pose à tes pieds, Seigneur. Et en ce samedi, je dépose ma vie, celle de ceux que j'aime. Je dépose aussi mon pays, ma France bien-aimée. Et je souhaite, Seigneur, qu'en ce mois du Sacré-Cœur, nous puissions tous t'introniser dans nos maisons. Tu es le roi, non seulement du monde, mais aussi le Sacré-Cœur de la France, avec le cœur immaculé de Marie. Tu dis que je suis aimé, et moi je le sais que c'est vrai. Amen.